bienvenue sur la chaîne de Amaka Nutrition. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment, les tartines sont à la mode. Différentes tartines avec une base de pain grillé complet ou pain grillé blanc, avec après une base de soit de crème fraîche ou de crème ou de fromage frais, et puis des légumes, des fruits, enfin chacun fait un petit peu à sa sauce. Moi, j'ai voulu revisiter la tartine avec un ingrédient, je ne sais pas si vous le connaissez, un ingrédient qui vient des tropiques et qui s'appelle la patate douce. Quel est l'intérêt de la patate douce? L'intérêt de la patate douce par rapport à sa cousine, la pomme de terre, c'est qu'elle a beaucoup moins de sucre. Donc 12 grammes de glucides, comme vous voulez, pour 100 grammes. L'autre intérêt, c'est qu'elle est riche en multiples nutriments. Elle est riche en calcium, riche en phosphore, riche en potassium et surtout riche en bêta-carotène, le précurseur de la vitamine A qui est bon pour notre peau, pour les yeux. On ne peut pas avoir une vue normale sans la vitamine A. Et pour revenir, en tout cas en plus sur le sucre, elle a un index glycémique beaucoup plus bas que la pomme de terre. La pomme de terre a un index glycémique qui se situe entre 95 et 100 et elle, son index glycémique est entre 45 et 50. C'est quoi l'index glycémique? C'est la capacité d'un aliment à augmenter votre taux de sucre dans le sang élevé. Donc, en fait, j'ai un peu réfléchi, je me suis dit, tiens, on pourrait remplacer le pain, justement, le pain qui a tendance justement à faire augmenter le taux de sucre dans le sang, par la patate douce. Donc, suivez-moi et venez avec moi pour cette recette. J'ai pris une patate douce, donc moyenne. Donc, je préfère donc les patates douces oranges, c'est celles qui sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus riches en bêta-carotène. Je l'ai juste lavé et puis voilà. Un avocat mûr, la moitié d'un oignon, à peu près 100 g de champignons de Paris, quelques feuilles de basilic, de l'huile de coco, du sel non raffiné, et puis des épices. Vous prenez ce que vous voulez. Moi, j'ai pris des herbes de Provence, du gingembre et du curcuma. Et je vous retrouve tout de suite pour la recette. Donc là, vous commencez à couper les extrémités de la patate douce. Ensuite, vous la coupez bien avec un couteau bien tranchant. Faites attention de ne pas vous couper. Je n'ai pas dit que moi j'ai une très bonne position des mains, mais la patate douce est très très dure. Ne laissez pas un enfant utiliser un couteau pour couper ça. Faites attention, positionnez bien vos doigts, faites pas trop comme moi. Moi, je voulais aller un peu trop rapidement. Et voilà, et coupez-la bien en tranches, coupez-la pour qu'elle soit bien stable et coupez au maximum des deux côtés. Donc, prenez bien une planche à découper et un couteau bien tranchant. Voilà, vous les disposez sur un papier naturel, un papier de cuisson, et vous mettez par-dessus de l'huile de coco. Donc, l'huile de coco, c'est une huile qui supporte bien la haute chaleur. Et voilà, vous mettez à 110 degrés pendant 45 minutes au four. Là, j'utilise mon wok. J'ai mis donc les champignons de Paris avec toutes les épices, les oignons coupés. Et vous remuez constamment, constamment pendant au moins 2-3 minutes. C'est une cuisson minute, le wok. Donc, faut que ça soit très chaud et que ça aille très vite et que les aliments soient constamment en mouvement. Continue à bien tourner, voilà, avec toutes les épices. Ensuite, l'avocat, vous le prenez, vous l'écrasez bien à la fourchette, hein, que ce soit une petite purée bien écrasée. Hein, s'il est bien mûr, ça sera facile. Et vous ajoutez alors une cuillère à café de citron. Ensuite, le basilic. Vous entassez les feuilles de basilic, vous les roulez et vous n'avez plus qu'à ciseler le basilic. Que soit, moi je fais dans les deux sens, vous pouvez faire que dans un seul sens si vous voulez. Voilà.
là dans le deuxième sens. Ce sera très bien comme ça. Poser la patate douce qui a été coupée sur un plan de travail. Là, c'est une petite planchette en bois. Et donc là, on va mettre notre purée d'avocat. Donc pareil, si vous n'aimez pas l'avocat, vous pouvez mettre un pesto. Voilà, vous mettez vraiment ce que vous aimez. Et par contre, si vous aimez l'avocat, ben, choisissez un avocat qui soit quand même bien mûr. Pas trop mûr, bien sûr, mais bien mûr pour qu'il soit facile à étaler et aussi très bon au goût quoi. Donc voilà, on va bien étaler l'avocat. Je vais mettre un petit peu, j'ai des mains propres hein. Voilà. Voilà, c'est fait. Après avoir mis l'avocat, on va mettre les petits champignons qui ont sauté au wok avec les petits oignons. Voilà. Pareil, si vous n'aimez pas les oignons, vous pouvez mettre soit juste dessus. Si vous n'aimez pas, pardon, les champignons, vous pouvez mettre juste les oignons ou mettre autre chose, un petit légume, des petits dés de tomates par exemple, de tomates fraîches ou de tomates séchées. Enfin, vous faites vraiment à votre convenance, on n'est pas obligé de suivre la recette à la lettre. Vous pouvez mélanger en fait ce que vous voulez. Voilà. On fait vraiment de belles couleurs. Ensuite, à la fin, on met les petites pincées, plusieurs petites pincées de basilic. Bon, le miel était un peu fatigué, mais bon, ça passe quand même. Voilà. Si vous n'avez pas le basilic, vous pouvez mettre du persil. Et voilà. La tartine est prête. Elle est pleine de couleurs. Vous pouvez l'accompagner d'une petite salade. Moi, il n'y avait que de la laitue chez le maraîcher. Donc voilà. Je mets la laitue qui a été un peu émincée. Voilà. Une petite vinaigrette que vous faites. Vinaigrette maison, hein, ça sera plus simple. Voilà, un petit peu. Donc c'est du bon gras parce que j'ai mélangé de l'huile de lin et un peu d'huile de noisette. Avec un peu de vinaigre de cidre. Voilà. Et il y a aussi le bon gras de l'avocat. Et voilà, la recette est terminée. Il reste plus qu'à déguster. Bon, on va goûter. Donc, vous remarquerez que la peau de la patate douce est assez épaisse. Donc, vous pouvez l'enlever si vous voulez avant, l'éplucher avant de la couper. C'est vous qui voyez ou la laisser. Donc, je vais goûter. Vous voyez, ça tient bien. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez même la tenir comme ça. Bon, si vous êtes bon. Et la manger directement. Je préfère couper, mais vous voyez, ça tient super bien. Allez, on y va pour la dégustation. Moi, j'aime bien. Très bon avec le petit goût d'avocat par-dessus, c'est super bon. Vous pouvez mettre un peu plus de sel, un peu plus d'épices, comme vous voulez, vraiment à votre convenance. Et surtout par rapport à la cuisson, une cuisson douce, 45 minutes, c'est très bien, vraiment très bon. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez aimé la recette, mettez un petit pouce bleu. Partagez la vidéo. Et si vous avez des questions sur cette recette, mettez-les dans les commentaires. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo de recette et surtout, revitalise-toi.